وي دي تولي قلاغ ثوران تكمل دي تجميلين اي توغالن ونظرنا ام قران يدي غيجان ثوران قريب يعدان سين مولا سكني سين مدوار تزغم باللي يدير يدير هذا زمول شنا قبيلت باش داغن دوين تمثيلن نا دوين اي تقارن دينا كانس فرانسيس لومباسادور دو لا شانسون امازيغ ماشي حتى قبيلت اي مازيغنيك نروح على ماروك الاطلس قدا لاغي ونك ني دمغناس دمغناس مقران انت مازيغ كما خاص فرانسيس ان اكتيفيست دو بومي بلان كي موحى مخلص سيني موحى زول في اللون موحى زول في اللون موحى ويفنى دينيز غورك ذا شو تحصد مي يموت يدير مثل مسلد مي يدير يموت ومكي يدوسو خضر باللي يدير يموت اخبار يسالي ديتي زوارار غا ديني غا كي مسلاين نتلفاز نون دسنيني غا يدير فلاس يعفو ربي جو بريزونت مي كوندوليونس ا سا فامي مي اوسي ا تو لي زيمازيغن دو موند. Moi, j'ai reçu la nouvelle, j'étais triste, évidemment, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et c'est quelqu'un qui a bercé et marqué mon enfance. Donc, je ne pouvais être, je ne suis pas le seul. En famille, on le considérait comme quelqu'un, on le sentait. Ce n'est pas Idir, ce n'est pas un artiste éloigné de nous. Non, c'est quelqu'un, tu le rencontres une seule fois, ben, tu sens que tu l'as connu, ça fait des années que vous connaissez. Il y a un courant qui passe comme ça. Évidemment, je suis triste. Sa disparition, c'est une perte énorme pour nous tous en raison de ce qu'il a fait pour notre culture. Mmh. Si vous permettez, je peux le qualifier, Yidir, c'est une institution pour notre culture parce que les actions qu'il a menées, le travail qu'il a accompli, au niveau de son engagement artistique, parce qu'on sait aussi que c'est un géologue qui a changé de métier pour sa guitare, c'est quelqu'un qui, pour moi en tous les cas, qui incarne à la fois la grandeur et la modestie de notre culture amazigh. Pour multiples raisons, parce que c'est quelqu'un qui a toujours apprécié les autres cultures, mais c'est quelqu'un qui reste enraciné dans sa culture autochtone, dans cette culture millénaire qui draine des valeurs qui sont encore actuellement des valeurs qui permettent le vivre ensemble, la coexistence, la tolérance, le droit à la différence, le respect de l'autre, etc. Yidir, c'est ça, aussi à travers son engagement. Mais je peux vous dire que ce qui m'a marqué personnellement, je me rappelle, c'était dans les années où est sorti Aveveh Nouva, c'est dans les années 70 évidemment. Vous savez, j'avais ressenti, je n'étais pas le seul certainement, une immense joie parce que en écoutant Aveveh Nouva, une chanson amazigh, chantée avec des instruments modernes, Yidir quelque part, j'ai ressenti une sorte de confiance. Yidir a restitué la confiance, je me suis dit, oui, c'est possible, on peut nous aussi chanter avec des guitares, avec des instruments modernes. Et ça, ça marque, surtout à l'âge dont je vous parle, je devais avoir 15 ans, 16 ans, 13 ans. Ça m'a beaucoup marqué, c'est une chanson qui a marqué des générations, pas uniquement en Algérie, mais aussi au Maroc. C'est une chanson qui est devenue un mythe, oui, qui a permis de rehausser, comme vous l'avez dit, la culture amazigh vers l'universalité. Deuxième élément. Je vous en prie, je vous écoute. Oui. Il s'appelle Yidir, on a su qu'Yidir allait venir. Donc, c'est une photo qu'on a prise avec lui dans l'hôtel, dans un hôtel à Rabat, où il est descendu. Donc, on
l'a vu avant le spectacle, donc il nous a reçus, on est resté, on a pris un thé ensemble, on est resté un bon moment avec Idir et mon fils lui a remis le bouquet de fleurs. Il y avait beaucoup d'autres personnes, on n'était pas seul, il y avait beaucoup d'autres personnes qui sont majoritairement du sud-est qui sont venues pour le saluer et pour en quelque sorte aussi lui exprimer notre admiration. Idir, c'est non seulement sur le plan relationnel en tant qu'artiste, quand il passe, tu es marqué, tu ne peux pas oublier. Et le travail conséquent qu'il a accompli, c'est que Idir nous a appris, nous a motivés pour œuvrer à la transmission de la mémoire. Parce que cette transmission de la mémoire, que ce soit par la collecte, par la chanson, par toute autre forme de combat, c'est ce qui nous permet de lutter contre le rouleau compresseur de l'arabisation, du déracinement, de l'assimilation dont nous sommes victimes essentiellement depuis l'avènement de la colonisation française au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Actuellement, heureusement, on peut dire que les Amazighs sont de retour. On voit ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe pour les Libyens, ce qui se passe aux îles Canaries, chez vous, dans la diaspora, les Touaregs. Donc, il y a un espoir, il y a un vent d'espoir. Et ce qui me rend très optimiste, c'est que les valeurs, nos valeurs, c'est-à-dire celles qui constituent l'essentiel et le fondement de notre mode de vie, de notre façon d'appréhender l'autre, l'autre en tant que langue, que culture, que civilisation, c'est ce qui nous permet de nous inscrire, comme nous l'avons déjà fait, dans le concert des civilisations, pour paraphraser le Matob, des civilisations, Taoud plutôt, des cultures qui avancent et non pas des cultures qui reculent. Ça, c'est important. Nous sommes un peuple tolérant. Nous n'avons pas de complexe de supériorité ou d'infériorité vers aucune culture, aucune langue, aucune civilisation. Nous voulons juste exister en restant conformes à ce que nous sommes. Nous ne voulons pas vivre sous une identité d'emprunt, porter le masque. Non, on veut être nous-mêmes, tout simplement, sans porter préjudice à aucune langue et à aucune culture. Merci beaucoup pour la clairvoyance et l'éloquence. L'éloquence est une Il aime chanter, il part souvent au Maroc. Ben parce qu'il est toujours accueilli, il aime le Maroc parce qu'il trouve toujours des gens qu'il aime. Vous savez, dans un festival auquel il a participé à Agadir, dès qu'il a commencé à entamer la chanson, ben le public il la reprend à sa place. Donc il attend que le public chante la chanson pour la reprendre. Donc, Idir, il a eu une relation particulière avec le Maroc et nous l'aimons et il nous aime aussi. Oui. مازيان المغرب كان ليبيا تونس كامارين النوالي غرزات باش كانت زغم يدير ماشي ذيلا القبائل كان ذيلا مازيغنا كن مالان و سوماثا ذيلا تلسا سي لابارتيان لومانيتي نسبا محا يدير لابارتيان لونيفرسال Exactement. Vous savez, je vais vous raconter, si vous permettez, pas une anecdote, mais un fait réel. Un fait réel, c'est qu'il y a eu un ami kabyle qui est décédé il y a quelques mois. Pour la première fois, il a débarqué dans mon patelin, à Goulmema, au sud-est. Alors, en discutant avec les militants, à un certain moment, il leur a dit « Est-ce que vous avez un chanteur comme Maït Mengelat ?» Alors, les militants lui ont répondu « Non, on a Maït Mengelat, on n'a pas besoin d'un autre.
on a Ismail Gilad, ça ne vous appartient pas à vous seul. Elle voilà. Est bonne celle-là, elle est bonne, oui. Ça veut dire Ismail Gilad, il a, comme il dit, ils appartiennent à tous les Imaziens, pas uniquement aux Kabyles. Voilà, exactement, c'est comme, pour nous, on s'y identifie. Comme Mohamed Darwisha, il appartient à tous les Imaziens, pas uniquement aux Marocains, c'est ça? Exactement, exactement. Voilà, on a, Moha, ce qui est bien avec le monde amazigh, c'est que vraiment on a une diversité extraordinaire sur le plan musical, sur le plan gastronomie, sur le plan coulisse. On a tout gagné pour devenir une grande nation, un territoire grand comme l'Afrique du Nord, qui est à peu près le même que l'Europe, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Russie, la Chine. Ça veut dire que les enjeux géostratégiques de demain, ils vont certain, je suis optimiste qu'il va y avoir un changement, un nouvel ordre mondial où Temazirt, où Temazra, elle aura son mot à dire, elle va devenir comme un enjeu, plutôt un acteur, pas un enjeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Je vous cite Ma'amri pour finir. Ma'amri disait les Amazirs ou la culture Amazir, elle ne résiste pas, elle persiste. C'est vrai, elle persiste, oui, exactement. Monsieur le Garant, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ton mot de la fin. D'abord, je souhaite bonne continuation à votre canal. C'est important parce que nous sommes une culture de l'oralité. Nous avons opéré le passage à l'écrit il y a quelques décennies, mais nous sommes à l'ère de la communication audiovisuelle et je crois que les efforts qui ont été déployés pour avoir ce canal, comme d'autres, ce sont des efforts louables parce que c'est un moyen efficace et rapide de pouvoir communiquer, échanger, lier des liens. C'est ça aussi, les Imaziens ont besoin de communiquer, d'échanger, de se rencontrer. C'est ça, c'est notre, parmi les stratégies qui ont été adoptées contre nous, c'était de nous diviser, de nous séparer. C'est à nous maintenant de relever le défi. Tout à fait, Moha, Moukhles, l'aide de Kalyidus, Dieu, Neknir, Mournas, Kadjinatas, Raf Mazir, Dil Maroc, Dias, Yon Wassenda, Anmlil, Yidus, Kikir, Sbud Maroudem, Madin Maroc, Madakir, Sia, Randin, Ondiner, Kimas, Dithelwith, سلام عليكم سعد دام يذنا تذوي تبني تسيغرزن